Vous êtes bien sur ma télé. Bienvenue à tous. C'est Studio 5 à l'appel et on est en compagnie de Fred et de Christophe. Vous nous retrouvez chaque jeudi soir en direct et en live à partir de 19h, l'heure de fin. Théoriquement, c'est 21h15, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Allez, tout de suite, on retrouve M. Christophe Vérin dans un truc qu'il avait envie d'interpréter. Écoutez, écoutez bien. Thank you.
C'est juste magnifique, Christophe. Permets-moi de te dire que c'était juste sublime. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a tous nos amis qui sont en ligne, ceux en tout cas qui sont connectés. Ah bah cette version-là, on va la trouver nulle part. Ah non, là on peut. Là, Facebook ne peut pas nous couper, hein. C'est pas possible. Hein. Bravo, 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 mille fois. Les amis, je vais passer un petit coup de fil. Ouais, c'est parti. Si je vous dis. La bémol. Et si je vous dis quel est le nom de famille d'un réalisateur de cinéma et celui qui fabrique des films de Star Wars, vous me dites. Lucas. Ouais, Lucas. Et vous me dites. Monique. Bah oui. On l'appelle. Monique, est-ce que tu décroches ? C'est nous, Monique ! C'est nous, on t'appelle ! Alors, il y a certainement peut-être une erreur. Allô ? Allô ? Bonsoir, Monique ! Oui, bonjour, Bertrand. Bonsoir, Monique. Bonne et heureuse année à toi, Monique. Oui. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous à l'antenne, en compagnie de Fred et de Christophe. Et ils m'ont dit, il faut absolument que tu appelles Monique. Monique, c'est peut-être bien une de nos fans la plus... qui nous suit depuis le premier jour. Ah oui, oui. Exact ou pas, Monique? Ah, oui. Exact. Ah, on entend la télé. Oui, Monique, il faut éteindre la télé. Enfin, en tout cas, il faut baisser le son sur la télé. Je vais te laisser en compagnie de Fred et de Christophe. Ils avaient envie de te souhaiter eh ben, une belle année 2022. D'accord. Bonjour Monique. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Ça va bien ? Oh, ça va bien quand on vous entend tous les trois. À dire qu'on devait être tous ensemble, même Fred, Greg, tout le monde, le 31 décembre. Mais bon, c'est parti remise. On se voit le 26 ouais, mais février ça, à Monte-Cour. J'ai du mal à le digérer. Hein. Ça sera le 26 février. J'attendais tellement cette journée. Oh. Ah bah tout le monde. Mais le 26 février, on va faire un petit nouvel an là-bas, à Montesquieu, les Rolles. Voilà. Ah bah j'espère un que ça un sera pas remis. Chinois. Voilà. Tiens Monique, votre porte de DH Confort fonctionne bien ? Oui, mais mes fenêtres, j'ai des problèmes. Hein. Puis il y a des petits soucis, ils ne sont pas encore revenus, je vais râler. Bon, enfin, on va... Bon, on va les appeler demain. On va les appeler. Monique, on, va... on, va on s'en occupe. Monique, on gère pour vous. J'aurais dû faire les bouches. Ah bah Monique, quand on lui dit quelque chose, elle se dit qu'elle a dit. Eh bah Monique, vous avez tout à fait raison. Ludo, et Ludo, c'était derrière ton écran là. Service après-vente, il faut assurer. Non, hein. Je m'inquiète pas. Christophe, tu gères, tu l'appelles demain. Oui, mais je m'inquiète pas. Et Monique, on l'aura la semaine prochaine au téléphone. Et Monique nous dira, j'ai eu la visite de Ludo. Exactement, exactement. On gère ça demain. J'espère. Monique, est-ce que tu as envie d'entendre un morceau particulier pour cette année 2022 ? Ben, j'aurais bien aimé, comment qu'elle s'appelait déjà, la chanson là, de Fred dans son dernier CD, là, Trouvé dans ma vie ta présence. Là. Ah. Bon, c'est vrai que c'est pas très gay, mais ah bon. Oui. Alors, mais le j'ai problème... une raison. Ah oui, alors Monique, est-ce que tu m'entends ? Oui. Alors, j'ai pas demandé à papa qu'il me fasse le nécessaire au clavier, parce que je connais pas les accords par cœur. C'est pas bien, Fred. Mais je te promets, oui. Et d'ailleurs, mes copains en sont témoins, Christophe et Bertrand, que je note. La semaine prochaine, c'est promis. Il y a des services après-vente pour Monique. On a du boulot la semaine Alors prochaine. Monique, la semaine prochaine, ça fait. Fred t'interprète le morceau, Ludo intervient chez toi. Christophe, qu'est-ce que tu vas faire chez Monique, toi ? Moi, j'irai boire un coup, moi. Eh ben voilà, Christophe viendrait boire un coup chez toi. Attends. Hey, Monique, bouge pas. Papa, je vais envoyer un message à papa qu'il m'envoie les harmonies de la chanson. Alors, attends, bouge pas. Pour la semaine prochaine, Fred, parce qu'on est pris par le temps, on le fera pour la semaine prochaine, d'accord ? Mais c'est simple. Trouver dans ma vie ta présence. J'ai les harmonies, mais j'ai pas les paroles. Bon ben, ça sera calé. Monique, promis, la semaine prochaine, rien que pour toi, eh ben il y aura ça. Monique, qu'est-ce que on peut te souhaiter pour 2022 ? Ah ben je ne sais pas. Un petit peu de bonheur, ça serait bien. Eh ben tu sais quoi, Monique ? Monique, la recette du bonheur, c'est sur ma télé. Alors je te donne rendez-vous chaque soir à 17h30. On parle que de bonheur et le jeudi soir à partir de 19h. Et alors là, c'est l'explosion de bonheur, c'est le feu d'artifice de bonheur. D'accord, Monique ? Oh ben d'accord, parce qu'avec vous, ça va toujours. Ah, merci beaucoup. On t'embrasse.
bien fort. Et je crois que Christophe... Attends, Christophe avait envie de te faire plaisir. Oui. Alors Fred va se mettre à la trompette sur son clavier en do majeur. Tu vois tout ça, c'est du direct, hein, c'est du live. Il n'y a rien de prévu, les amis. Je vous promets, il n'y a rien de prévu. On va au casse-pipe, là. Et ils vont au casse-pipe, mais ce sont des musiciens formidables. Monique, reste avec nous, c'est pour toi. La trompette commence par mi, ré, do, mi, ré, do, mi, do. Mi ? Mi. Il ne connaît pas ses notes. Je connais ça. Ça fait comme ça. Monique, la suite à la télé. On t'embrasse bien fort, Monique. Bisous. Bisous, bisous à toi. À très vite. Je t'embrasse. Je raccroche. Bisous. Allez, chante maintenant. Si je t'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi, le cœur brisé à la fenêtre. Je pleure de toi. Allez, c'est parti la trompette! Mix là. Ça c'est pour Rémi maintenant. J'adore dans cette émission, c'est quand ça part en vrille, comme ça. Ah voilà, il y a de la vrille. Hein. Ça claque, et ça part en vrille. J'adore, merci. Avoir deux musiciens talentueux comme ça à mes côtés, c'est que du bonheur. Les amis, si on allait du côté de la Belgique ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben grand plaisir. Alors moi, ça vous va? Bah oui, complètement. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau qu'est-ce à écouter, là? Qu'est-ce qu'il y a de beau en Belgique, ouais. Et Fred, Christophe... Qu'est-ce qu'il y a de beau en Belgique? Attends, tais-toi. Christophe, qu'est-ce qu'il y a de beau en Belgique? Il y a le Mannequin Peace. Ouais, il y a les clubs libertins. Les clubs libertins, ouais, d'accord. Non, je rigole. Il y a les frites. Il y a les frites. Ouais, il y a les frites, dis. Il y a les frites. T'as pas une petite blague avec des frites? Comme ça, qui devient comme ça, naturellement. Comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le biberon des bébés?
Des frites. Des frites une fois. Eh ben oui, des frites une fois. Bon. Ça, ça valait le coup. Ok, c'est bien la peine. T'es en forme, hein. Ouais. T'es en forme. Ouais. Hein. Ouais, parce que j'ai non, tout lâché ce matin sur BLC. Non, mais t'aurais pu me le demander, je te l'aurais fait. Hein. Tu sais que tu peux pas me voir pendant 15 minutes. Pourquoi ? Non. Laisse tomber. Et on va enchaîner avec Fred. Fred, en Belgique, qu'est-ce qu'on fait de beau en Belgique ? Alors, on va. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est une chanson pour monsieur Bernard Farine. Bernard. Il est avec nous, Bernard. Hein. Oui. Il nous dit vivement le kiosque. Je viendrai avec mon harmonica. Alors, si. Non. Bernard, pas 5 minutes. Si Bernard est là, en tout cas, je l'embrasse très, très fort. Je lui présente tous mes vœux. Voilà, je lui souhaite tellement de bonnes choses pour l'année 2022. Je pensais que tu lui souhaitais des condoléances. Non, vu comme tu partais là, j'ai cru que c'était... Bah, ceci dit, il a perdu quelqu'un de très cher dans sa famille il n'y a pas très longtemps, donc je lui ai présenté mes condoléances. Mais en tout cas, voilà, je lui souhaite tout le meilleur pour 2022. Et la chanson qui suit, c'est une chanson pour lui, parce que c'est sa chanson fétiche, ça s'appelle Monia. Ah, et donc, j'ai demandé à papa... Oui. J'ai dit, est-ce que t'es d'accord si je mets Monia dans l'émission? Il m'a dit bien sûr. Donc voilà, c'est... Attends, c'est parce que l'autre là-bas, en face de toi, il fait le mec qui s'y connaît. Mais Monia, c'est de qui? Monia. C'est ça. Tes yeux. Fred, Monia, c'est de qui? Petit Rolm. Eh ben c'est bien, tu vois, t'étais pas. Il y a des gens qui sont réveillés. Loin, hein. Mais tu sais, il y a des gens qui sont réveillés ici. Tu sais que tu peux pas me voir aussi 2 minutes. Pourquoi? Non, même 2 minutes. Tout de suite, on part en Belgique, les amis. Retrouvez Maître Guy. Allez, je vous embrasse, Monia. Tout de suite avec Maître Guy. Alors là, moi, je peux vous dire, les amis, que les mots m'en manquent. Franchement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu peux le dire. Ça fait du bien. Merci, papa. Merci beaucoup. Moi, je ne peux pas dire ça, mais merci beaucoup, Guy. Merci, papa. On enchaîne avec...
Qui c'est qui a envie de reprendre la suite là? Bah lui là. Parce que là on arrive presque à la fin là. Il y a une chanson qui lui a été demandée. Hey, les garçons, il nous reste 6 minutes. L'autre là. Le truc là. C'est toi qui enchaîne? C'est toi qui enchaîne? Tu nous emmènes où? Bah tu m'avais demandé depuis tout à l'heure Joe Cocker. Unchain My Heart. Ou on peut appeler Marie. Ah oui, Marie Rose. Appelle Marie Joe Rose. Cooker et on appelle Marie. Rose. Eh ben, j'appelle Marie Rose tout de suite. Non, vas-y, fais ton morceau. Vas-y. Allez. Ah ben non, mais j'appelle Marie Rose, les garçons, c'est fait. Hein. Bon, on fait quoi? Tac, j'appelle Marie Rose et c'est Marie Rose qui décidera si elle veut Joe Cooker ou pas. Voilà, ça y est, c'est fait. Comme ça, la technique, elle est au point. Voilà. Nous, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Vous notez. D'ici là, vous likez, vous partagez, vous appelez vos amis. Moi, je veux qu'on soit 200 millions la semaine prochaine. Ah ben, Marie-Rose, elle a pas voulu mon numéro. Alors, je réessaye. Oh, ça me parle, ça, les notes que j'entends, là. Alain, pour qu'il revienne. Alain, pour que tu reviennes. Et j'ai crié. Ah, attendez. Sur le sable. Marie-Rose. Oui. Oh, bonsoir Marie-Rose. On est ravis de t'avoir. Bonne et heureuse année 2022. Bonne année. Avec nous, Marie-Rose. Et à vous aussi, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, Marie-Rose, tu vas avoir la difficulté, ou en tout cas la tâche lourde, de choisir le prochain morceau. Je te laisse en compagnie de Christophe. Tu lui demandes ce que tu veux. Bonjour Marie-Rose. Mais lui, il a prévu Joe Cooker. Alors oui, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais il a prévu Joe Cooker. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Rose. Alors, bon, dites-moi tout. Je vous meilleur vœu. Hein. Oui, à toi aussi Christophe. Merci. Je voudrais Comment ça va. D'accord. Et je la dédie à Guy et Martine. En souvenir d'une super soirée dansante à Madère. Et en attendant, Marie-Rose, comment ça va en ce début d'année 2022? Ben, ça va très bien, l'émission est super, on retrouve l'ambiance de l'accordéon par en live et c'est magnifique. Merci. Ah, bah, Marie-Rose, est-ce que tu aimes aussi Studio 5? Ça sera tous les 3 semaines. On aura nos invités, ils viendront interpréter. David, Romu, Clémence, Greg, tu les aimes bien aussi? Oh ben, on est fidèles tous les jeudis. Bon, est-ce que l'horaire de 19h te va bien? Impeccable aussi. Impeccable, voilà. Tout va comme bien. Ça, on termine pas trop tard. Tout va Marie-Rose, bien. Christophe, est-ce que tu es prêt pour faire plaisir à Marie-Rose? Eh ben, si tout le monde va bien, comment ça va bien? Eh ben, comment ça va bien, Marie-Rose? On t'embrasse très très fort. Fred, il voulait te faire un énorme bisou. Fred, vas-y. Gros bisous. Merci Fred. Eh ben écoute, merci beaucoup de ta fidélité. Comment ça va? Bisous, bonne année. Bisous Marie-Rose. Hey. Ah, c'est un succès ça sur internet hein. Comment ça va? Moi ça va bien, comme et vous? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Ça va toujours. Oui, comment ça va? Que l'amour. Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Sors par la fenêtre, allez, viens danser le soir. Mets ton cœur en fête, commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y'a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Et faut donner pour se voir. Tout le monde, comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Avec Marie-Rose, ça va toujours. Comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Ah, c'est sûr. Et ne t'éprise pas à chercher trop loin, Bertrand. Le carton est là.
à portée de main. Regarde mieux autour de toi, il y a plein de gens qui te ressemblent. Un plus, ça, ça fait toi. On va y arriver ensemble. Je suis le docteur en bonne humeur. Ma télé bien sert à ça, à vous réchauffer le cœur. Mais si vous chantez avec moi, attention, tiens, c'est à toi. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. La 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 la. 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 Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. T'écoudras. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Vous êtes fait avoir, les gars. Comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour. Eh oui. Ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, c'est que l'amour. Ça ira mieux, ça va toujours. Ton chantement de qualité. Comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Oui, comment ça va? Comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça va mieux, ça va toujours. Super, merci. Eh ben moi, ça va bien, les garçons. Excusez-moi, les garçons, j'avais oublié d'éteindre mon micro. T'as reçu un colis? Ouais, j'ai reçu un colis. Chez et moi. J'avais oublié d'éteindre mon micro. Il a reçu un colis chez moi. Alors, j'ouvre mon colis pour terminer cette émission. Alors, ce colis est destiné à l'ensemble de l'équipe de Studio 5. Donc, je le destine aussi à Greg, Clémence, David, Romu, bien sûr toi, Fred, bien sûr toi, Christophe. Tout le monde, Bertrand. Tous ceux qui interviennent Kevin. À nos côtés. Kevin, je vais vous lire le petit mot. Que, je vous lirai un petit truc après. Alors, c'est monsieur, c'est Joël et Jackie Évrard qui nous écrivent du côté de Saint-Laurent. C'est dans le 41. On va voir si vous connaissez bien votre 41. 41, c'est moi, le j'en sais rien. C'est avant le 42. C'est le Loir, c'est ouais. Le Loir, non? Ouais. Peut-être, je sais pas, je vais pas dire le contraire. Bonne année 2022 à tous les participants de Studio 5 de Saint-Quentin, ouais. Techniciens, animateurs, musiciens et chanteurs, etc. Merci pour tout le bonheur et la bonne humeur et l'état que vous sentez autour de vous à travers toute la France. Bon courage pour le super travail que vous faites tout au long de l'année. Sincère amitié, Joël. Allez, on ouvre. On ouvre. Et Joël. Par contre, j'ai un Joël, truc à dire après. Hein. Joël, oh là 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 là, les amis, regardez. Moi je sais, je l'ai reçu à la maison. Donc alors là, on va se régaler parce que c'est des petits biscuits, je vais vous les montrer. Voilà. Je peux pas vous les faire goûter, mais. Attention, ça va tomber. Non, ça va pas tomber, tu rigoles ou quoi? Non, mais on peut goûter? Après. Ah non, donne, après donne, dans l'émission. Non, d'après. Non, on goûte. Alors attends, je te le passe. Hop. Voilà. De l'autre côté. J'ai on a plus. Des petits mendiants. Je crois que c'est des petits mendiants. Des petits mendiants au chocolat. J'adore moi ça. Passe. Christophe, c'est pour toi ça. Alors, excusez-nous, c'est du direct, c'est du live. On n'a pas mangé surtout. Ah bah non, on n'a pas encore mangé. Et justement, voilà. Ah, et bon, on a un petit cadeau à déballer. Oh, la vache. Christophe, Fred, ça c'est pour toi. Ah, tu déballes. Et de l'autre côté, c'est pour notre ami Christophe. Je te laisse déballer. Les garçons, ça vous dérange pas que moi je mange rien, quoi? Ça si, serre-toi. D'accord. Tiens. Non, mais j'ai bien compris. C'est pas grave. Moi, je mange ça. Pas. C'est allez, joli. Vas-y, donne. Hop, je prends. Hop, voilà. Bon, par contre, j'ai une confession à faire, les copains. C'est non, qui non, ça attendez. Je veux c'est quand même non, remercier. Non, je veux quand même remercier. Je veux quand même remercier de cette très gentille intention notre madame. Évra, Joël. Oh, hey. Elle habite à Saint-Laurent-Noran. Kevin. J'ai du mal à lire.
la biscuiterie de Chambord. Oh là 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 là. Regarde. Oh là là là. The Belgian biscuitier. Par contre, ça, c'est un biscuitier belge. Par contre, ça déchire. Par contre, les gars, vous allez... Chambord. Ouais. Par contre, vous allez... Non, je peux pas vous mentir. Parce que le colis, je l'ai reçu chez moi. Ouais. Et dedans, il y avait une boîte. C'est bon. Hein. Ouais, mais dedans, il y avait une autre boîte. J'ai tout mangé, c'était des chocolats. Salaud. Oh, j'ai tout mangé. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé le Craven. Et y a, en plus, il y avait du... Enfin, il y avait plein de trucs dedans. Oh, là, donne un bout. Bon. Saloperie. On va terminer cette émission en mangeant. Et moi, je peux en avoir un bout ou pas? Parce que nous aussi, on a faim. Oh là là, hé. Ça, c'est des petites meringues fait maison. C'est hyper bon. C'est bon. Alors, vous pouvez nous envoyer. C'est une curieuse. Christophe, je te laisse nous donner l'adresse pendant que moi je mange. 5 rue Henriette Cabot. Merci, je Henriette Cabot. 5 rue Henriette Cabot. 02100 à Saint-Quentin. Faites-vous plaisir, parce que là, je peux vous dire que ça nous fait plaisir à mort. Les amis, j'espère Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Hop là. Les amis, j'espère que vous avez passé... Hop là. Le studio, il est dans la détente. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. En tout cas, pour nous, ça a été un véritable plaisir que de vous retrouver dans cette toute nouvelle formule. La semaine prochaine, on vous donne à nouveau rendez-vous dans cette formule avec Fred, avec Christophe. Merci, vous avez vu, il y a les gâteaux qui volent et il les mange. Hein. Je peux vous assurer qu'il les attrape et il les mange. On peut voir Christophe en train de manger les gâteaux, là, regardez, voilà. Complètement bon. Non, c'est une curie. Moi aussi, je peux manger. Bon, 2 heures, ça passe trop vite. On va demander à la production si on peut mettre un peu de rallonge derrière. Mais pas ce soir. Non. Parce que la production, sinon, elle va nous taper sur les doigts. Moi, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Vraiment des vieilles canailles. Hein. Nous aussi. Attendez, c'est pas fini. Parce que je veux vous laisser... J'ai plus d'eau. Plus d'eau. Non. Je vais vous laisser faire la finale ensemble. Hein. La finale, c'est tous les deux ensemble. Alors, faites un peu de place sur vos pieds. Fred, s'il te plaît. Montrez le clavier de Fred. Regardez. Franchement, il y a des gâteaux d'un côté. On n'est pas bien là. On est bien là. Alors, la dernière chanson, c'est une histoire vraie. Hein? C'est une histoire vraie. Ah oui. Les paroles ont été écrites pour nous. Je me régale. Moi aussi, je me régale. On a faim en fait là. C'est surtout ça, c'est qu'on n'a pas mangé. Vous avez déjà vu une émission comme ça? Bon, je t'ai... Non, ça n'existe pas. Bon, en tout cas... Tu commences? Attendez, avant de terminer. Merci à toute la production. Merci à Kevin qui est derrière en régie à assurer. Mais grandement, on peut l'applaudir. Vraiment, on peut l'applaudir. C'est un gros boulot que d'être là. Merci beaucoup à monsieur Frédéric Denis. Merci. Vous pouvez l'applaudir à la maison. Merci beaucoup, Christophe, qui est à l'initiative de cette nouvelle mouture, qui m'a dit « J'aimerais qu'on retrouve l'ambiance d'avant. » Eh bien, j'espère que vous avez retrouvé l'ambiance d'avant avec nous. Et on l'a réfléchi ensemble. Et un gros bisou à David, à Greg, à Clémence, à Romuald. On vous les retrouverait dans 15 jours, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. On les embrasse très très fort. Ludo de chez DH Confort, attention, il faut faire une intervention chez Monique, me semble-t-il. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, faites bien attention. C'est quoi ça ? Portez vos masques, testez-vous. Faites attention parce qu'avec plus de 300 000 cas par jour, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le plus simple, c'est de rester à la maison et de nous regarder. Moi, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas d'inviter vos amis, vos cousins, vos cousines, vos tatas, vos tontons, tous vos amis pour la semaine prochaine. Je veux vous voir extrêmement nombreux derrière vos postes. Merci beaucoup. Vous nous avez donné du bonheur. Vous avez partagé du temps avec nous et ça nous a fait extrêmement plaisir. Je vous laisse pour la fin. Il y en a qui me disent bon appétit. En votre compagnie. À vous les garçons. Bon. Alors, Christophe. Oui. On va faire une petite dernière. Allez, c'est parti. Alors, c'est le même principe qu'avant, sauf attends, je redonne l'adresse. C'est 5 rue Henriette Cabot.
02 1 00 51. Vous mettez ma télé. Ah, viens, viens. Hop. 5 rue Henriette Cabot. Vous mettez 02 1 00 ma télé. Et nous, on se fera un plaisir de déguster tout ça. Allez, Fred, c'est à toi. Non, non, c'est à lui. Salut. Salut, salut. Allez. Hey, j'aille content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah ouais? Salaud. Ouais, j'aille content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne paies rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Ouais, je serais content de t'avoir au tapot, vieux chameau. Et j'ai reçu les bras ouverts, vieille canaille. Ah ouais. J'avais toujours ton couvert, vieille canaille. Ouais, c'est ça, ouais. T'as brûlé tous mes tapis, ouais. T'as fait buver tout mon lit, t'as sifflé tout mon whisky, vieux chameau. Hey. Puis je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Ah, que non. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Fumier, t'es le paratin. Tu l'as embrassé dans tous les coins. Dès que j'avais le dos tourné, vieux chameau. Mais je suis parti avec elle, vieille canaille. Ouais. Je suis parti avec elle, vieille canaille. Ah bon? En emportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle. Ah bon? Tu cassais ton magnéto, ah, vieux chameau. Merci, fumier, ordure, etc. T'es une ordure. Moi, je sais. À toi. J'ai sorti mon fusil. Vieille canaille, j'ai mis le meilleur cartouche. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Oh, et quand je te tiendrai au bout, moi je rigolerai à mon cou. Et je t'aurai vite refroidi, vieux Morly. Et on mettra dans ta tombe, vieille canaille. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me ferai la bombe, vieille canaille. Ouais, tu peux courir, vas-y. Ça coûte petit verre d'eau de vie. Ouais. La plus belle cuite de ma vie. Et bah viens alors. Sera pour tes funérailles, ma vieille canaille. Mesdames et messieurs, couchez-vous tranquillement. Soyez sages, mais pas trop.